Seigneur, dans sa façon de pouvoir agir. Nous le remercions vraiment ce soir pour sa présence. Je te grâce que nous avons trouvé la place pour qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse aussi disposer nos cœurs, pouvoir aussi l'entendre. L'Écriture dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a aussi pourvu et disposé aussi de la nourriture pour nous, afin que dans un temps comme celui-ci, nous puissions réellement avoir cette nourriture qui est une nourriture autant convenable. Nous le sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce. C'est vrai, comme ma bien-aimée sœur pouvait le prier, les hommes peuvent changer, les circonstances aussi, mais Dieu ne change pas. Il est toujours le même et il est bon pour nous qui croyons, parce que nous avons expérimenté aussi sa bonté et aussi sa grâce dans notre vie aussi. Et aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce qu'il nous a accordé pour pouvoir nous retrouver ensemble avec nos frères et sœurs aussi qui sont venus de loin. C'est que Dieu le bénisse beaucoup. C'est très touchant de pouvoir avoir des kilomètres de distance parcourus afin que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de notre Seigneur. Nous voulons prendre une portion de l'Écriture dans le livre de Luc au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Ils auront à partir du verset 1. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, et portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant donc entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies donc de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il ne voit ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Amen. Précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce soir pour cette grâce que nous pouvons nous retrouver ici, Père. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, Père, et pour ce moment béni, Père. Dieu, tu as commencé avec nous, tu as la parole que notre précieux frère nous a aussi manifesté cet amour béni, Père, ta présence divine, Père. Et nous t'implorons la grâce de pouvoir encore nous donner encore la portion de l'Écriture ce soir. Jésus, vraiment nous parler encore parce que nous voulons apprendre de toi. Je te remercie encore pour tout et pardonne vraiment mes péchés. Tu m'as vraiment voulu les mettre personnes. Accorde-moi la grâce. Nous avons vraiment besoin de cela pour que tu nous parles tous. Aide-nous, Père. Je t'ai ainsi prié. Sous le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous pouvez le remarquer, alors que le corps était déposé dans le tombeau, et comme cela a été fait, il fallait que ça soit fait rapidement parce que le sabbat était donc à l'approche et qu'il fallait que tout soit fait. C'est ainsi qu'il a été donc déposé dans ces sépulcres-là. Et comme nous avons pu voir ces tableaux l'autre fois, comment le passant et les religieux se moquaient de lui. Il y avait donc eu ce découragement parmi ses disciples qui se posaient donc beaucoup de questions et ils se disaient que vraiment c'était donc de lui dont nous pensions que réellement il allait relever que Israël, qu'en principe ceci ne devait pas arriver à pouvoir se passer. Il y a eu, en fait, parmi ceux qui marchaient avec lui,
des troubles dans le cœur, des découragements aussi dans le cœur, et le désespoir s'était donc installé. Et voilà que l'Écriture nous fait savoir une chose. Le premier jour de la semaine, parce qu'il y avait une raison pour laquelle ces sœurs ne sont pas partis directement lorsque le corps était donc déposé dans les sépulcres. Et nous allons le savoir quelle est cette raison en question. C'est dans le chapitre 23, nous lisons effectivement, à partir du verset 50, il dit « Il y avait donc un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et au sac des autres. Il était donc d'Arimathée, vie des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il les descendit donc de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa effectivement dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Vous voyez ? Donc, le sabbat allait commencer, et comme vous savez que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler. On ne peut rien faire, on doit se reposer. Donc, avant que le sabbat ne puisse arriver à pouvoir arriver, donc on s'est dépêché effectivement pour que le corps soit déposé effectivement dans le sépulcre. Alors, le verset 54 dit donc, c'était donc le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent donc Joseph. Vire le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Ça me touche toujours, frères et sœurs. Et on voit que ce sont donc ces femmes-là, ces sœurs-là, qui étaient même quand les disciples étaient avec le Seigneur, ils étaient pas loin d'être toujours là parce que c'était ces sœurs-là qui servaient le Seigneur. Et voilà que là, même lorsqu'il était donc suspendu entre ciel et terre et crucifié à la croix, et ils étaient là en train de pouvoir aussi observer. Ils étaient tellement tristes aussi. Et quand Joseph est venu, tout cela fait abandonner. Joseph est venu pour prendre le corps. Et ils ont suivi Joseph avec le corps, effectivement, pour voir là où ce corps-là allait être déposé. C'est toujours merveilleux, frères et sœurs. Jésus, je regarde, je dis, Seigneur, mais quel amour! Quel amour! Alors que cet homme ici était vraiment méprisé de tous et le Sanhédrin l'avait rejeté. Tout ce qu'on savait que c'était des puissants qui, lorsque c'était des hommes qui servaient Dieu, l'avaient tous abandonné. D'abord, c'était eux qui ont voulu la mort jusqu'à ce qu'amenaient vers les autorités. Mettez-vous cela un peu en tête, frères et sœurs, les autorités. C'est-à-dire que, voyez un peu comme dans les pays dans lesquels nous sommes. Donc, on a amené devant les autorités disent, bon, il faut qu'il soit crucifié. Qui, il est devenu comme en fait, que les lépreux ne pouvaient même pas s'approcher, parce que tout le monde, les religieux l'ont abandonné, les autorités aussi, effectivement. Et là, même pendant qu'il était même là crucifié, on le se moquait de lui. On le méprisait, effectivement, ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas une raison pour pouvoir arriver à pouvoir s'approcher, parce que si on s'approche de lui, ben, on est aussi inclus dans tout ce qu'il était de cette manière. Donc, un homme normal, une femme normale devrait simplement s'en débarrasser de loin. Je ne vais rien avoir à faire avec un homme qu'on critique comme ça, un homme dont on parle effectivement, ça ne traîne, veut pas, le Seigneur n'en veut pas. Mais elles, non. Elles n'ont pas regardé ce que les Sanhédrin a regardé. Elles n'ont pas regardé ce que le gouvernement a regardé. Elles n'ont pas considéré ce que les hommes ont considéré. Mais ont considéré ce que Dieu voulait qu'ils puissent voir. Nous chantons toujours ici les cantiques en disant « Jusqu'au bout, je veux te suivre. » Mon frère et ma soeur, jusqu'où tu vas suivre le Seigneur? Quand tu dis jusqu'au bout, il faut que tu comprennes effectivement ce que cela veut dire en disant « Seigneur, jusqu'au bout, moi ici, je veux te suivre. » Ces soeurs-là l'ont vraiment suivi. Jusqu'au bout. Amen. Même abandonné des gouvernements et des hommes, ils n'ont pas regardé à l'ignominie, au mépris qu'ils vont avoir, parce que suivre ces Jésus abandonnés. Mais vous êtes malade en fait. Or, tout homme va être honoré, va avoir la considération de groupe. N'est-ce pas vrai? Mais ils n'ont pas regardé cela. Joseph est venu. Et ils l'ont suivi jusqu'à voir où est-ce que le corps était déposé. Les autres n'étaient pas là.
C'est eux qui ont pu voir. Et l'Écriture nous dit ici, regardez bien, dit. Et verset suivant, verset 56. Et après avoir mis le côté déposé, et s'en étant retournée, elles préparèrent des aromates et de parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Amen. Le Seigneur n'était pas venu pour abolir la loi. Amen. C'était cela, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons comprendre ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fait pour nous, afin que nous puissions réellement comprendre ce que c'est que la perfection que Dieu cherche. C'est quand même bizarre, hein? Ils sont restés là, ils ont attendu, effectivement, que le sabbat puisse passer. Et pourtant, ils pouvaient partir le même jour pour le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu jusqu'à ce que le sabbat puisse passer, comme la Bible dit, selon donc la loi. C'est ainsi que, au chapitre 24, on nous dit donc, après donc le sabbat, le premier jour de la semaine, donc si c'est sabbat qui est donc samedi, le premier jour de la semaine, ça tombe dimanche. Donc, ils sont endormis, et pendant qu'ils restaient là, le jour de sabbat, leur pensée était toujours tournée vers celui qu'ils aimaient et qui était là, là dans un côté posé quelque part. Donc, pendant que les autres dormaient en paix dans la joie, leur cœur était dans la tristesse. Ils voulaient faire ce qui était nécessaire pour que ce corps-là soit gardé, en fait. C'est pour ça, ça a remarqué pour embaumer ainsi le sujet. Alors là, maintenant, ils sont partis avec ces aromates, effectivement, avec empressement, pour aller faire le service qu'on fait pour le corps. Alors, les grands matins, et lorsqu'ils ont, verset donc premier, dit donc, et portant donc les aromates qu'ils avaient donc préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Mettez-vous à leur place, frères et sœurs, c'est que ces sœurs sont parties. D'abord, c'était le vendredi soir. Et le samedi, donc, ils ne voulaient pas aller. Et bien, le temps commençait à passer. Donc, ils avaient les aromates préparés pour aller embaumer le corps, effectivement. Et alors, le dimanche matin, ils sont sortis avec les aromates en main pour aller embaumer celui dont ils savaient. Elles savaient qu'il était mort, et pour nous, c'est qu'on va embaumer pour que le corps soit préservé ainsi. Donc, il est mort. Les disciples déjà étaient déjà partis, hein, là en gros, c'est la voie de vêtements, parce que bon, le maître, il est mort, il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc pour les disciples, il n'y avait pas d'espoir. Mais ces femmes ici, ils ont suivi jusque dans le tombeau avec des aromates de vêtements. Ils n'ont pas dormi bien la nuit de samedi, ils voulaient vivement dimanche parce que nous voulons nous occuper de ce corps-là. Parce que dans leur vivant, ils se sont rendus compte de ce que c'est Jésus. C'est Jésus était pour moi. Même si le peuple ne le reconnaissait pas. Mais moi, je connais qui est ce Jésus. Moi, je connais ce que cet homme-là a été pour moi. Mon frère et ma soeur, l'influence d'un autre qui agit sur ta vie, pose-toi la question. Est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il vaut pour toi? A-t-il une valeur particulière pour toi? Ou bien, si Jésus est considéré par toi comme les autres le considèrent aussi. Quelle est la valeur dans ta vie que toi, personnellement, pas l'église, pas le groupe des gens, pas ta famille, mais toi, personnellement, quelle est la valeur que tu attribues à ce Jésus dans ta propre vie à toi? Parce que cette femme-là, elle savait quelle était la valeur de cet homme-là qui était accouché. Ce n'était pas une chanson comme on chante aujourd'hui. Mais pour elle, c'était quelque chose. C'était une question de vie. Hein. Parce que suivre ce corps-là que les salariés ont condamné, que même le gouverneur a condamné, fais le suivre, parce que ça c'est un corps qu'on ne touche pas. En plus, regardez très bien, frère. Ce qui est encore terrible, c'est que dans l'autre parole, dans Jean ou dans Luc, effectivement, pas limite, ils avaient mis des gardes là. Alléluia. Donc vous dites bien que les soldats, l'armée est là. Toi, frère,
Trois soeurs, on dit que les soldats, l'armée sont là pour garder effectivement ce corps-là qu'on a méprisé. Et toi, tu t'es lèvé le matin. Oh, que Dieu soit béni. Avec des aromas. Pour ce corps-là, il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Hey, si Jésus est représenté beaucoup plus que la vie de cette femme. Oui, 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 oui. C'est sûr et certain. Vous savez, la compréhension qu'ils avaient, l'amour qu'ils avaient à l'endroit de ces Jésus. Mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas comparable à ceux des autres qui les voyaient. Parce que, à ce moment-là, il avait guéri beaucoup de malades. Il a fait du bien à beaucoup. Mais où étaient ces beaucoup-là? Où étaient ces beaucoup-là? Ces jours-là, ces beaucoup-là étaient du nombre de ceux qui l'ont rejeté. Mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas de suivre l'influence de quelqu'un. Ni d'un groupe ou de ce qu'on dit, non. Mais il s'agit de toi. Toi, par rapport à lui. Qui est Jésus pour toi? Il a posé cette question à ses disciples en disant, mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent, les autres disent. C'est vrai. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pour toi, qu'est-ce que Jésus de la Bible représente pour toi? Est-il une religion pour toi aujourd'hui? Qui est-il vraiment pour toi? On nous a parlé de la révélation, nous savons qu'il est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vraiment, quelle est la valeur qu'il a? C'est vrai, le Dieu Tout-Puissant, tu connais ça comme une sorte de notion d'enseignement dans la tête pour toi. J'ai la révélation qu'il est Dieu Tout-Puissant. Mais en fait, quelle est la valeur qu'il a vraiment pour toi? C'est Jésus-là. Quelle est la valeur qu'il a pour toi? Quelle est la valeur que tu l'attribues dans ta porte? Parce que ici, c'était au péril de leur vie. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Même ils n'ont pas tenu compte de l'honneur qu'ils pouvaient avoir d'eux par rapport à ce qu'ils regardaient. Parce que le mépris, la haine qu'on avait de Jésus, tout le rejet là, tout ce que les gens parlaient de mal de lui, effectivement, ils n'ont pas tenu compte de cela parce que quand on voit la manière dont les choses se sont passées, elles se sont levées. Et comme la Bible dit, ils sont restés là le samedi parce que la loi disait qu'il fallait respecter le sabbat. Tout le monde devait être là, effectivement, respectant le sabbat. Ils ont respecté ce sabbat. Mais ils n'ont pas bien dormi la nuit. Alléluia. Ah non. Parce que regardez très bien, frère. Quand Joseph a pris le corps, effectivement, ils sont pas restés loin. Ils ont suivi le corps. Alléluia. Qui peut suivre le corps de celui qu'il aime et qui sait se trouve quelque part et qui dort en paix? Non, pas possible. Alléluia. Non, 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 pas possible. Donc, vous dormez, vous voulez que le lendemain soit. Amen. Pour que vous alliez voir ce corps-là. Amen. Amen. Et le matin, et ça fait, vous savez quand même que les Sanhédrin et tout ça avaient donc décidé qu'on mette des gardes. Vous vous souvenez? Amen. Amen, bien sûr. Mathieu le dit, hein, avait placé des gardes, elle savait qu'il y avait des gardes, elles se sont levées. Sans tenir compte qu'il y a des gardes là-bas. Alléluia. Sans tenir compte qu'on peut aussi m'arrêter. Alléluia. Vous voyez que je suis une ombre de ceux-là. Parce que Pierre de l'autre côté là-bas, il dit, mais tu es l'un d'entre eux. Ah non! Il dit, mais ton langage t'est trahi. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. Mais c'était un risque. Elles n'ont pas... Vous savez, frères et sœurs, nous nous asseyons dans nos assemblées, nous écoutons la parole de Dieu, les habitudes s'installent, frères, mais vous ne voyez vraiment pas ce que Dieu est. Alléluia. Un jour viendra, vous pleurez, frère, ça sera trop tard. Vous pleurez, ma sœur, ça sera trop tard. Parce que chaque jour que Dieu te donne l'occasion de pouvoir t'enseigner, d'apprendre la parole,
Et en fait, c'est devenu pour toi comme une musique qu'on chante, qui sonne bien dans les oreilles. Et puis après, on s'en va. Mais vous n'avez jamais pensé à une chose. Qu'un jour viendra. Il y aura un jugement. Alléluia. Est-ce que vous savez? Amen. Je veux maintenant vous poser une question. Si il doit y avoir un jugement, eh bien, comme dans toutes les nations, il faut qu'on puisse te juger, c'est sur base d'un code civil, non? Alléluia! N'est-ce pas vrai? Amen. Le juge ne va pas juger comme ça. Il faut qu'il y ait le code qui est là. Et puis, sous base de l'article que tu as brisé, l'article dit ça, la vérité, c'est. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. Et si toi et moi, comme les dites, nous devons passer par les jugements, si l'homme doit être jugé, quel est l'instrument sous base lequel Dieu qui est le juge, parce qu'il est le juge suprême. Quel est l'instrument sous lequel Dieu doit-il se baser pour juger? Amen. Lequel? Amen. Voici. Amen. Amen. Voici l'instrument. Aujourd'hui, vous souriez. Aujourd'hui, vous vous moquez. Aujourd'hui, vous êtes assis là. Eh bien oui, ça ne me plaît pas. Je trouve ceci, il n'y a pas de problème, mon frère et ma soeur. Mais s'il viendra un jour où tu pleureras, pour n'avoir pas vraiment prêté attention à ce qui est dit dans cette parole, pour n'avoir pas respecté, mon frère et ma soeur, le principe de cette parole que Dieu a dit ici, étant assis dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée. Amen. La grâce que Dieu t'accorde, mon frère. Que Dieu est encore ma soeur, ce que la Bible dit. Je ne veux pas qu'il passe au jugement, non? Le jugement commence à la maison de Dieu. Il faut d'abord que tu acceptes, parce que regarde, frère. C'est sur base de ceci que Dieu vous parle, n'est-ce pas? Si déjà, toi, tu es jugé ici, et que toi, tu as la sentence de Dieu maintenant, Dieu te justifie ici, il ne va plus te juger là-bas! Alléluia! Oh mon frère! Oh ma soeur! Nous devons vraiment prêter attention et comprendre l'importance de ceci aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu et que Dieu est encore là, ton cœur est touché et que tu te réponds, mon frère et ma soeur, Dieu te justifie. Alléluia! Parce que la parole est venue, tu as entendu la sentence, tu as dit Seigneur, je me réponds. Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, ce que les hommes n'ont pas compris, pourquoi le sacrifice de Golgotha est d'une très, très, très grande importance. Amen. Sur cette terre, mon frère, dans ces bas mondes. Et pourquoi ça ne sert à rien? Quand l'homme est mort, comme les catholiques font des messes, des prières, bon, ça ne sert à rien. C'est quand l'homme est vivant qu'il peut obtenir le pardon de Dieu. Parce que si Dieu t'a pardonné ici, tu n'as plus besoin de faire le pardon. Un seul pardon suffit. Par une seule offense. Il s'est offert pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, par une seule offrande, nous avons obtenu une rédemption éternelle. Amen. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que le pardon nous soit accordé, alors il faut qu'il y ait le sang. Amen. C'est cela ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Où tous les salariés ne comprennent absolument rien. Quand Jean l'a regardé, il a dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce sang-là qui a été versé, c'est le sang qui a
apaiser le cœur de Dieu. Amen. C'est ça, à stopper la colère de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Et vous savez pourquoi? Que Dieu ne frappe pas directement. Alléluia. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce que nous sommes dans Amen. Un temps favorable. Amen. Ce temps favorable, c'est le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Amen. Mon frère et ma soeur, moi, votre frère, tout ce que j'aurais demandé à Dieu, c'est de vivre dans un temps comme celui-ci. Alléluia. Vous savez ce que la grâce veut dire? Vous savez ce que la grâce veut dire? Parce que la Bible nous fait savoir que nous sommes au temps de la grâce. Et c'est le temps favorable. Et vous savez cela, non? Regardez, frères, il y a aujourd'hui où nous parlons, sur le trône, quelque chose qui a été déposé. C'est le sang. Puisque le sang a été déposé, alors on l'a appelé le trône de grâce. Parce qu'il y a le sang. Et quand Dieu voit ce sang-là, c'est comme cela que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Le pardon de nos manquements. Parce que ce sang qui a été versé, lorsque moi je l'accepte, je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? La grâce est ce que Dieu a fait pour toi. Puisque toi et moi ne pouvons pas obtenir effectivement le pardon, Dieu est venu nous offrir le pardon. Est-ce que vous suivez? Amen. Le Dieu du ciel est venu lui-même pour te donner le pardon. Le pardon dont tu avais besoin pour que tu ne passes pas au jugement. Mais que de maintenant déjà tu sois justifié. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc si nous sommes justifiés, ça veut dire que c'est comme si nous n'avions jamais péché. Donc quand Dieu te regarde, il voit que le livre est tout blanc. Mais avant, il était beaucoup écrit dans ce que tu as fait, ce que tu as commis. Tout cela a été gardé. Mais lorsque le temps est venu, le sang a été versé. Tu es venu sous ce sang. Alléluia. Tout a été effacé. Alléluia. Que vous compreniez ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Amen. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de toi, mais de Dieu lui-même. Le sang. Ces deux sœurs qui étaient sœurs-là, qui étaient là, vous l'avez dans l'une, effectivement, et se sont levées le matin. Sans tenir compte effectivement des instructions qui étaient données aux gardes, sachant que les gardes étaient de l'autre côté là-bas dans la pierre, l'endroit, pour que personne ne s'approche. Elles n'ont pas pensé à ça. Elles ont pensé à ce qu'elles avaient dans leur cœur. Pour faire pour cet homme de Galilée, ce corps qui était là à l'Angéla, ils savaient que lorsqu'il était vivant, cet homme-là, qu'on a abandonné là, quand il était vivant sur la terre, lorsqu'il marchait, quand j'étais malade, il a porté ma maladie. Alléluia. Quand j'étais possédé par des démons, les hommes me fouillaient. Mais quand Jésus est venu, il a ôté les démons.
que Christ a fait pour toi. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir savoir que nous ne sommes pas entrés dans ce qu'on appelle des associations ou des jeux, des familles, des communautés. Non, mais nous sommes entrés dans la voie du Seigneur, en fait. Et que nous sommes entrés dans les choses qui sont réelles. Toi, en tant que fils. Vous savez, c'était aujourd'hui ou hier. C'est pas où j'étais. Je disais à mon précieux frère, Bernard, oui, je pensais à lui. Je crois que c'était hier. Je pensais à lui. Et je marchais à ce moment. Je ne sais pas où j'étais. Et puis, d'un coup, une pensée m'est venue. Je regardais le ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus. Il dit, c'est quand même extraordinaire. Il dit, tu es le Dieu très haut. Tu es vraiment le Dieu tout puissant. Et puis j'ai dit, mon sauveur, le créateur des cieux et de la terre, c'est toi. Avant toi n'a pas été formé. Tu demeures le Dieu tout puissant. Et je me suis regardé. J'ai dit, oh sauveur, moi ici, je suis fils du Dieu très haut. J'ai secoué la tête, j'ai dit, il dit, Seigneur, je suis un fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez la grandeur de ce Dieu. Et je me suis regardé, j'ai dit, toi grand, toi tu es Dieu, Dieu esprit, et tu as fait de moi un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Mais la Bible dit que nous sommes nés. Donc moi, ici, je suis né de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Toi, ma soeur, tu es né de Dieu. Alléluia. Tu es né de ton père naturel. Mais aujourd'hui, ton père naturel n'a plus de pouvoir sur toi. Pour moi. Parce que la Bible me dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Si je suis né de Dieu, je suis Dieu. Oui. Si je suis né d'un homme, je suis un homme. Si je suis né de Dieu, je suis Dieu. Un petit Dieu. Parce que nous le sommes, mon frère. Et nous avons le pouvoir. En tant que fils de Dieu, frère, de dire à la montagne. Monsieur.